Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20, pour une nouvelle carrière manager. Et comme vous pouvez le voir, on a pris le LOSC, on a pris ma ville, si c'est la famille, on est à Lille. Du coup, il y a du travail, il y a un petit peu beaucoup de travail. L'équipe 1, la voici, l'équipe B, la voici, il y a du travail sur les deux équipes, il y a du travail. Du coup, on va voir tout de suite les objectifs qui vont être très compliqué. Ils veulent qu'on recrute 4 joueurs du centre de formation. Donc 4 joueurs, vous allez dire, ouais, c'est facile. Un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. On n'a pas de budget, les gars, en fait. On n'a pas de budget, on n'aura pas de recrue si ça continue. On doit jouer à guichet fermé 50% des matchs de championnat à domicile. Donc 90% des téléspectateurs ou des spectateurs, c'est comme vous voulez. En UEFA Champions League, ils veulent qu'on va en 8ème minimum vu que c'est les phases à élimination directe. Ils veulent... Bah ça va. Finir en milieu de tableau en Ligue 1, ça devrait être faisable. Coupe Nationale 16ème, ça devrait être aussi faisable. En 3 saisons, se qualifier pour la Ligue des Champions, ça devrait être possible. Et en l'espace de 2 saisons, augmenter la valeur du club de 30%. Alors ça devrait être aussi assez simple, je pense. Mais je suis pas sûr hein. Mais je pense du coup l'équipe 1 la voici. Une équipe, j'ai envie de dire presque l'équipe basique. Mais bon, il y a la défense qui est vraiment à retaper. Sinon le reste c'est assez correct au vu des joueurs. On a Fonte qui se fait vieux malgré son gros général. On a Bradaric qui est côté gauche. On va le bouger. On va le bouger tout comme Reynildo qui est en équipe B. On a Pied à droite, on va aussi le bouger. En gros, il y a toute la défense qui va devoir bouger, les gars. Du coup, on va simuler. J'ai accepté le truc de pré-saison, mais on va pas le jouer, les gars. On va le simuler. Parce que c'est de l'argent bonus. J'ai mis des joueurs à vendre. J'ai mis toute l'équipe limite. Non, je rigole. Mais j'ai mis quand même des joueurs soit trop vieux, soit pas assez performants, tout comme lui. Qui est espoir, mais je compte vraiment pas sur lui. Il m'a l'air pas fou et tout, du coup j'explore des pistes. Jardim, c'est un bon gardien numéro 2, mais je pense que Maignan pourra faire toute la saison. Du coup je te garantis pas du temps de jeu. Balouli, tout le monde le connaît, un coup il est prometteur, un coup il est moins bon, un coup il est prometteur. Je suis content que vous ayez décidé de me vendre, je me sentais pas super bien ici, la même longueur d'onde. Et Fonte, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Alors que je l'ai mis à vendre, je crois, pour à cause de son âge. Mais je suis pas sûr. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Une longue saison nous attend. On va simuler ce premier match face à Southampton. Une petite victoire 3-1. Moi, je mise sur un 3-1. 2-0. C'est encore plus propre. On n'a pas pris de but, on en a marqué 2. C'est propre. C'est parfait. C'est le 2-0. On est en tête, on bat Brighton, on est qualifié, il n'y a plus de soucis. Du coup, off pour Loïc Rémy. Ouais, beaucoup vont me dire, ouais, vend pas Loïc Rémy, mais il a 32 ans, je compte pas l'utiliser, l'Ajax qu'il veut. Le délégué, tu as demandé 11 millions et tu le vends pas en dessous des 8 millions 9. On va essayer de récupérer le plus d'argent possible sur des joueurs comme Loïc Rémy, Fonte. Fonte, je sais pas vraiment si on va le vendre ou pas. Parce que bon, il a 34 ou 35 ans. Bamba, ça va pas bouger. En fait, les attaquants, je vous explique les gars, les attaquants, ça bouge pas. Osimhen, Yazici, Ikoné, Bamba, ça bouge pas. Et ici, l'équipe B, ça bouge. À part Ouattara qui va pas bouger, tout comme Araújo. Mais je suis pas sûr. Par contre, le milieu de terrain, ça aussi, ça bouge pas. Mais la défense, il va avoir du move. On va simuler le deuxième match. Offre de transfert, on va accepter. On va accepter, je compte. C'est quoi ce club? Votal Club? Je sais pas où c'est. Mais on va accepter parce que je compte pas sur lui. On a trop de milieu défensif et de milieu centraux sur l'équipe. Du coup, offre de. C'est qui? Lyon. Rejeté. Voilà. Alors, accord pour la vente de Loïc Rémy sur 11 millions. On accepte. Merci l'Ajax. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur maintenant l'Ajax. Du coup, on va simuler ce deuxième match avec l'équipe 1. Prochain match avec l'équipe B. Demi-finale et finale avec l'équipe 1. Enfin, si on arrive jusqu'en finale. Match nul, ok. Ok, match nul, but de Bamba.
Ouais, en fait, on n'est pas sûr d'être qualifié. Il va falloir faire la différence face à Burnley. Ok, par contre, là, ça craint un petit plus 1 pour quelqu'un, peut-être. Non, il y a Maignan qui est bientôt à plus 1, peut-être. On verra bien. Du coup, l'équipe B, on va la mettre face à Burnley. Et du coup, les gars, moi, je vous dis à tout de suite. Je vais aller faire la liste des transferts. Je vais aller voir si on a des joueurs intéressants ici. Et puis, à tout de suite. On se retrouve les gars après que j'ai fait ma petite liste. Bon, ça c'est pas la petite liste, mais on a une offre de 1 200 000 de la part de Cardiff pour Balouli. On va tout simplement dire au délégué de négocier 2 500 000 et tu ne le vends pas en dessous des 1 800 000. Faut vraiment gratter beaucoup d'argent. Je vais vous montrer les joueurs que j'ai mis sur la liste. À vous de me dire dans les commentaires des joueurs aussi, les gars. N'hésitez pas à me dire des joueurs. Vous me dites des... Ah merde, j'ai mis que lui. Mais en gros, j'ai fait plein de rapports sur des joueurs. Attendez, attendez, parce que je suis un petit peu perdu quand même. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de truc. Du coup, on voit où les joueurs que j'ai fait des recherches. Bah attendez, ils sont passés où? Bon, en bref, voilà. Ici, on voit, pas d'études, pas d'études. Voilà, j'ai mis beaucoup de joueurs en recherche juste pour voir déjà un petit peu leur général. Et voir, mais ils sont où? Voilà, 8 jours restants, 1 jour restant. Puis voilà, du coup, comme ça, on aura bientôt des... Comment on dit? Des rapports sur les joueurs pour voir leurs notes. Comme ça, on voit un petit peu la valeur. On ajoute certains personnages, certaines personnes, etc. Suggestion du poste de capitaine, mon sang, on s'en fout. On a une offre ici pour annoncer le potentiel. Donc, le général, qu'il a de la force. Ouais, non, en fait, il est pas si fou que ça. Mais on va l'ajouter au cas où qu'on est en galère. On l'ajoute quand même, les gars. Et du coup, let's go pour simuler ce match face à Burnley avec l'équipe B. J'espère. Au moins la victoire, match nul, on est sûr d'être qualifié, la victoire aussi. Ok, doublé de Renato Sanchez, ça c'est déjà bon. Est-ce qu'on passe? Et on passe! On passe en demi. Joueur vendu, comment ça joueur vendu? On a vendu qui? Loïc Rémy vendu, ok. Rémy vendu, il nous faut un buteur pour l'équipe B. On a une offre pour Souma, non, non. Soumaré à Bruges. Non, non, tu vas pas aller en Belgique, mon ami. Tu vas rester avec nous. Ok, Balouli qui partira pas. On reçoit 1 300 000 supplémentaires. On a 23 millions de budget de transfert. Mais bon, on va pas recruter des Messi, des Ronaldo. Du coup, au niveau du salaire, on peut un petit peu rééquilibrer la balance, j'ai envie de dire. Du coup, on a 27 millions avec Lille. On a une offre pour pied, mais oui les gars. Pied. Alors, le délégué, tu fais une offre à 4 millions 1 et tu le vends pas en dessous des 3 millions 1. Hop là. Même si c'est un petit peu en dessous de sa valeur, les 3 millions 1, faut pas oublier qu'il y a l'âge qui rentre en compte. Du coup, on va simuler ce match face à West Ham, les gars. On a une offre pour... Ok. On va accepter. Je compte pas sur lui. On a déjà reçu une offre en plus, ouais. On a déjà reçu une offre. On va accepter. Parce que je compte pas sur lui. On a trop de milieu de terrain en vrai. À l'équipe, on a vraiment trop de milieu de terrain. On va simuler ces matchs face à West Ham. Encore pour la vente de pieds. Pieds pour 4 millions. Oh là là, Cagliari, je vous aime. Je vous aime. On accepte 4 millions. Oh putain, du coup, on aura 30 millions bientôt. Du coup, on aura de quoi recruter. On va simuler, les gars. On simule ces matchs. Puis on va se laisser là. Comme ça, vous pouvez me balancer un max de blast dans les commentaires. Ah bah oui. Ah, tu m'étonnes qu'on s'arrête là. Défaite 4-1. Ah ouais, ça pique. Ça pique. 4-1. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là je suis moins... Je suis moins confiant là par contre. Ah ouais, défaite 4-1 les boys. Ah oui. Du coup, on va vite fait faire ça. On va accepter. Hop là, on accepte pour lui. Dotation de compétition, 3 millions supplémentaires. Merci bien à la famille. Du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode. Donc, bon, vous connaissez... Wow, ils sont tous pas contents là. Donc, n'hésitez pas à me proposer un max de joueurs pour l'équipe 1, tout comme l'équipe B. N'oubliez pas qu'on a un petit
budget transfert, on va avoir à peu près 34 millions dans le prochain épisode, voire un petit peu plus. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout parce que je lis tous les commentaires, les gars. Croyez pas, parce qu'à 30 commentaires, je lis pas tout. Je lis tout, je réponds. Bon, je réponds pas à tout. Je réponds quand j'ai un truc à dire, sinon bah je réponds pas pour éviter de perdre du temps. Mais voilà, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain.